Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve avec Macrintor pour la suite de notre série sur EU4. Salut tout le monde. Ok, donc on prend notre petite guerre là. Est-ce que je vais arriver avant ou après qu'ils aient pété ma forte? Oh, je vais peut-être arriver à temps. 9 mars, dans 6 jours. Ah, oh, bah oui, je suis arrivé à temps. Le séparatiste breton. Moi, j'ai plus de morale qu'eux, j'ai plus de discipline qu'eux, j'ai plus de tactique qu'eux. Techniquement, par contre, je fais un jet de dé à 8, enfin 0. Ouf! Ouais, là, au choc, je fais un jet de dé à 7. Ensuite, je fais un 8 plus 4 de mon général. Ça va. Oh, gagne 1 de stabilité. Je prends. J'en ai pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la chance. Donc, les séparatistes, ils n'existent plus. Il n'y a plus que les séparatistes normands qui peuvent popper à co. On va aller les calmer un petit peu. Enfin, on a eu Trévise. Hurrah. Ah putain, il a une armée à Milan. Tiens, va défoncer Milan si tu peux. J'arrive. Ah bon, l'autre va défoncer le sud de Tirol. Bim! Aïe! Ah c'est bon, tu les as fait dessiéger, parfait. Mais par contre, combat en montagne... Oh le gros bois. J'y vais, hein. Par contre, j'arrive pas à remonter ma manpower. Sacrifice pour Sénéisme. Bon, après, tu m'étonnes, depuis tout à l'heure, je me tape que de la guerre, que de la guerre, que de la guerre. Est-ce que je vais réussir à convertir... Ah bah non, ils sont réformés. Donc Toulouse n'a plus de province... Catholique. T'as plus de province catholique, ouais. Et les réformés, ben les réformés, ils vont disparaître. Rennes... Je crois que c'est du réformé là-bas aussi. Ouais, mais on va pas. Allez, 99,2, 99,3, 99,4. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus de réformés. Les réformés n'existent plus. Enfin, ils existent encore, mais ils ont plus de centre de. Bonne nouvelle, ça. Voilà. Allez. Maintenant, on convertit. Parme, Modène, Romagne, Luc. 3,90, non, on va faire 3,70, voilà. 3,70 en 16 mois. De religious unity. Envoyez-le à Rome, je gagne du papal ou du prestige. On va plutôt du papal influence. Ah, parce que le prestige, je crois que je suis pas mal. Ouais, je suis à 83, je gagne plus 175. Légitimité, c'est bon, c'est remonté. Gêne, ça avance. Ah, oh, c'est bon. Ah oui, tu les as bien défoncés. Limite, je finis de défoncer Gênes. Regarde Gênes, si tu peux commencer à lui faire relâcher des trucs ou des conneries, quoi, après. Ou est-ce qu'on le garde comme ça, Gênes? Non, on va le faire relâcher des trucs, c'est sûr. Après, t'as pas peur que ce soit Florence qui en bénéficie? Alors, de garder Gênes comme ça, Gênes, il est pas spécialement puissant, c'est comme tu préfères. Après, c'est que c'est... Ouais, un truc, le problème, c'est que ça me coûte beaucoup de points diplomatiques, et puis j'avais pas beaucoup ça. Enfin, prends plutôt leur thune, ouais. Tu prends un max de thunes, tu lui fais casser les trucs et tout, et tu fais ce qui coûte pas de points diplomatiques, hein, tu fais des offres de paix sans points diplomatiques. Le but, c'est de les défoncer, de les piller, de se faire des thunes et d'empêcher qu'ils rentrent dans la coalition. C'est surtout de ne pas prendre de territoire, faut pas qu'ils grossissent, mais c'est juste de les défoncer, de les piller. Et après, moi, dès que tu peux éventuellement faire une offre de paix, je vais me défoncer, je vais aller commencer à m'occuper de Florence. Voilà, Gênes, le siège est terminé à Gênes. Donc là, je vais m'occuper de son armée. Commence à regarder l'offre de paix. Ah bah, je peux y faire... récupérer pas le pognon, c'est sûr. Tu veux prendre tout son fric? Ah ouais, tout son fric, 330 balles. Ah, pas mal. Si tu veux mettre tes armées sur Florence, comme ça, bah, on vire Gênes de la guerre. C'est ce que je vais faire. Je fais vite fait ça, voilà. Ouf, j'ai un stack OIP de 11 000 hommes. Je vais défoncer les 2900 hommes de Venise, là, sur le chemin. Là, je me fais du score de guerre, et j'arrive sur Florence. Voilà, c'est bon, j'arrive sur Florence, je te dis quand je suis... Oh, ben, rejoins-moi à Florence. Okay. J'ai son armée qui... Faut que je fasse le tour, putain, par contre. Bon, en fait, il n'y aura pas besoin. J'ai plus de discipline, j'ai plus de morale, j'ai plus de tactique qu'eux, j'ai des meilleurs générales, j'ai des meilleurs jets de dés. Donc, Florence, il va prendre cher. Ah ben, elle a pas pris un... C'est bon, tu peux faire la paix avec Gênes. Ok. Dis-le aussi. Ah, tu veux faire ça aussi.
Elle a refusé. Ah. Elle a accepté. Oh bien, 159, ça fait plaisir. J'essaie. Oh les pauvres. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu. Ouais, Venise, il a mal. Ce qui est bien, c'est de le garder comme ça, Venise. Ça peut le de bien le piller, ça fait qu'il aura plus de revenus. Et ça peut être faut le pousser à mort, Venise. Donc peut-être garder Florence le plus longtemps possible pour qu'on n'ait pas un call for peace pour le ruiner qui démantèle sa flotte. Oui. Oui. Qu'on lui fasse. Limite, tu lui laisses Milan, Brescia, mais ouais, après peut-être casser ses provinces navales ou. Ah, de toute façon, toute la côte croate, Et je vais la enfin. refiler à la Croatie, hein, c'est la priorité absolue. Ouais. L'Istrie, il en fait partie des. Non, mais Non, c'est il n'a pas. du coup croate, donc Lika. du coup, au pire, ben, je fais ça à la Croatie. Ouais, Lika d'Almacée, ouais, c'est bien ça. Ces provinces, c'est 12, 17 de développement, 11. Attends, là où mon armée, on va la driller un petit peu. De toute façon. 40, 51. Au total, si je prends toute la Croatie, c'est 65 de développement en moins pour Venise. Ouf. Florence. Gênant à la rentrée. Ouais. Après, faut pour quelqu'un la révolte. Toulouse, des séparatistes gascons. Oh putain. Bon, ça, ils ont pas à Toulouse. Allez, 42. Toi, t'es à moins 14, c'est bon. Ah oui, l'avantage, c'est que comme il a sa capitale, on est tranquille au niveau du call for peace, quoi. Parce que ce. Ah, on a 67. Il nous reste quoi? La Sardaigne et Florence. Oh putain, la Sardaigne, on va s'amuser ça pour le sortir. Au pire, ça ne nous sortira pas. Le sympa, c'est ça, on s'en foutra un petit peu, non? Le siège de Florence est terminé. Je vais les piller Pise. Ok, j'ai attaqué les autres là-bas en Aquitaine. Alors, je suis Oh tiens, regarde les paysans. Les paysans popés putain, là-bas. paysan vénitien. Faut qu'on sorte de Florence le plus possible. Faut déjà moins 57 avec Florence. Enfin, 57 de score de guerre plutôt. Tu essaies de sortir au pire, Ils occupent Florence? la qui. Sortir Florence. Non, 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 on les démantèle, on est. T'es pressé toi ou Non. pas? Moi la coalition va pas péter, le manpower remonte tranquillement, j'ai mes rebelles à Toulouse mais je vais m'en occuper. Je tente un débarquement sur la Sardaigne. Limite, ouais, si tu te le sens, tu veux que je ramène la matière, on se prend un débarquement en Provence nous. Je vais démosboler ma 15 août flotte. 44. Presque. On s'occupe à Rezzo, je vais prendre Urbino. De septembre. Les mecs, il faut quand même un mois pour débarquer. Hein. Ah, mais tiens, Ferrari est pris. Bien. Bah, si tu veux t'occuper d'Abruzzi éventuellement, ou de les défoncer, ou peut-être t'occuper de mes deux. Parce qu'ils commencent à venir chez moi. Et qui les Au cas où. Florentins? Ouais, enfin, ouais, t'as 14 000 hommes, quoi. Moi, je vais m'occuper Rebelle. des rebelles à Fort Calquier, là, les Gascons. Hop, les Gascons, je vais les. C'est bon, je les coupe en deux. Ah, j'ai les claims permanents sur
La Sardaigne, ouais, ça ferait trop de sensation agressive. Ouais, non, le but c'est de les. Le but c'est de la diminuer justement, pas de l'augmenter. Voilà, exactement. Hop, bataille de Toulouse terminée. Nickel, je vais aller défoncer les autres dans le Lyonnais. Ah ben, il me voit arriver l'Otis Bar d'un Tu m'étonnes. coup. Je dois remonter, builder mes équipes, activer mes forts, fait chier. Faut le démanteler, hein, Florence. Hein. Oh. Soit, hésite pas, je fais le siège. En fait, les rebelles qu'on popait chez nous, je m'en suis occupé easy peasy. Et là, Florence, il revient vers toi, il revient vers les. Ah bah, tu lui cours après, Bon, ok. après, il va Voilà en pourquoi il Suisse. revient vers toi. Ah bah, tu vas l'intercepter. Ouais. C'est de la montagne, j'arrive en renfort au cas où. Sardaigne, il veut bien se casser. Je lui fais raquer son fric. Ouais, voilà, ouais. Nivernais. Hop, les forts, on les redémobilise. On va convertir. 3,90, 3,10. Hop, les réformes, on les fait Il veut faire un peu disparaître. parce qu'il a ramené sa flotte pour affronter Amiens. Il m'attaque 54 navires avec 6 navires. Ah ouais. Je ramène ma flotte en Méditerranée aussi. Mon armée, on l'entraîne, on fusionne les unités. La France a 6 cardinaux, tu m'étonnes, il n'y a plus beaucoup de. Catholique. Il n'y a plus beaucoup de catholiques. Oh, plus de Sardaigne. 26, c'est bien ça. Je vais prendre un diplomate, donc voyons, un sujet. Les alliés, les outrés, les machins. Ouais, ok. Byzance augmente. Ouais, la flotte est arrivée. C'est une forteresse qui a siégé? Non mais sérieux. Putain. Putain, je vais me faire baiser deux provinces. Pourquoi? Parce que comme un con, j'ai démobilisé les forteresses. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, Florence et Venise, là? Peuvent pas sauter. On est en train de défoncer chez eux, les mecs, ils font quoi? Ils vont me faire chier à prendre une province là-haut. C'est Bon, lié à ça les va, je l'ai relous, hein. engagé l'autre avant qui. C'est bon, je l'ai fait arrêter le siège. Tu viennes? Non, c'est bon. Land Leader Fire, plus 1%. Je prends. Les estates. Ah, la noblesse, là, ils vont un peu vouloir péter plus haut que leur cul. Moi, en 1548, j'ai 4 ans. La Grande-Bretagne qui est comptoir papal. Non, mais sérieux. Florence, on est déjà à 62% de score de guerre contre eux. Je réfléchis déjà un petit peu à ce qu'on va leur prendre. Toi, je te donne fort calquier. Après, leur faire Ok, relâcher pour moi, c'est. Urbino. Ah, Urbino vient de tomber. Mais je peux pas leur faire relâcher plus que soit Pisse ou Urbino. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait relâcher? Pisse ou Urbino, à son avis? Bon, n'importe.
On fait briser leur alliance avec Venise. Et avec... Ah, ça c'est la base. Voilà, je vais défoncer son armée à Burundi. Là, je vais prendre ces deux provinces. Là-bas, le siège de Reims sans négatif, donc je laisse tranquillement se taper dessus. Allez-y, les gars, tapez-vous de l'attrition. Alors, on peut déjà leur faire. Comment dire? Il donne fort calqué à la France. Il brise son alliance avec Venise. Priorité, c'est les thunes. Hein. L'alliance, honnêtement. Ok. Tu voulais pas qu'on les affaiblisse pour pas qu'ils se fassent taper par leurs voisins? Ouah, comme tu veux. Au pire, on fait réparation de guerre. Alors, j'annule les alliances avec Venise et Gênes. On leur prend toute leur fric. Alors, il perd son alliance avec Venise, Gênes, la Suisse. Il fait 345 balles plus réparation de guerre. Ouais. Après, je suis en train de siéger sa dernière province. Hein. Ah, mais bon, je veux dire, c'est un petit peu long quand même là. Alors là, ce qui est marrant maintenant, tu vois. Ah, l'Angleterre a quitté la pression. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, ça fait que d'un coup, ta Venise, il se retrouve un petit peu isolé là-bas. Bon, ben voilà, ma coalition a disparu. Ah. Quelle tristesse. Ah, j'ai 38 000 hommes. Ouais, j'ai plus rien dans ma coalition. Et là, j'ai 38 000 hommes qui sont venus m'aider pour aller mettre sur le coin de la gueule de Venise, dans le barrois. Donc ça, on prend, on rapatrie là-bas. Ah merde, Fancalquier, je l'avais pas rendu à... Les gars, Venise. Ça va, Venise? Tu vas pas trop frustré? Attends, deux petites secondes. Hop, Barrois, Venise, Istria, Croatie. Ouf, 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 ouf. Et ce que j'aime bien, c'est... Pas d'agressif, 15 expansions agressives, ça va, c'est acceptable. Ben voilà. J'envoie une armée là-bas. Bon bah ben c'est nickel, on s'en est. Ça s'est bien passé cette guerre. Oui, je pense aussi. Les forts, on baisse l'entretien des forts. Ensuite, le subject. Toulouse, je te donne Fort Calquier. C'est sûr que j'irai bien mettre sur la gueule maintenant. Je sais pas, le pape? Non, non, le pape, non, arrête, je suis catholique. Je suis un des rares catholiques. Sur l'Asturias. Ah, il est allié avec les Knights Templars. Il est allié avec les Knights Templars. Alors, Knights Templars, si tu veux, honnêtement, bah, je peux débarquer chez eux comme sans problème. Ça rentrera comme dans du beurre. Bah ça te dit qu'on a essayé de faire le... Qu'on a essayé de faire Asturias. Ah ouais. Comme ça, ça fera pas une sens agressive pour... de mon côté. Alors, la Zaporogui, elle sera annexée en février 47, dans 3 mois, enfin dans 3 ans. Et dans... même pas 20 ans, ce sera la Croatie qui sera entièrement gobée. Et si tu veux aller taper sur l'autre murder là de Asturias, tu le dis, moi j'y vais. Oh, et Venise, regarde, voilà. J'ai laissé les paysans. Oh, ils se font massacrer, bah, c'est beau ça. Bah, tiens, regarde, c'est drôle, mais okay. La flotte de Venise, elle est beaucoup moins importante que tout à l'heure. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Le labour, on va les envoyer là-bas, eux, on va les envoyer là-bas. Les troupes, on va dire, vous rejoignez sur lui et pas sur lui. Ah, c'est le colonisman. Quand même. Qui est-ce qu'il a créé? Ah, attends qu'on rigole. C'est moi ce que j'ai regardé. Kent. Ah, c'est les Rosebif. Ah, quand même. Ils ont enfin découvert une province en Amérique. Ça se trouve... Oh là, t'as un beau port. Attends, ça se trouve, là, je suis en train de regarder Asturias, on leur déclare la guerre. Les Knights Templars viendront, les Italiens viendront. Ouais. Toledo, je peux leur dire de venir, ils viendront direct. Je pense que je leur dire de venir et je leur fourrer du territoire. Le problème, moi, tu me dis, je débarque chez les Knights Templars, là. Ouais, ben, on y va? Ouais, quand tu veux.
Hop, et voilà. Et déclaration de guerre, fin d'épisode. Oh là là, j'adore savoir la liste des pays quand on déclare une guerre. Hop. C'est quoi ça? Maeslander Merchant. Augmentation du moral. Nickel. Oh, là, maintenant c'est bon, je suis un petit peu en avance au niveau militaire et Administratif. diplomatique. Et les idées, maintenant on va refocaliser en priorité en administratif. En administratif. Hop. Voilà. Et on va arrêter l'épisode là parce qu'il y a eu une ligne de fin Voilà. d'épisode. Donc voilà. Et c'est quand même Sur beau, hein. ce, on espère. Ouais, attends, je vais quand même regarder la carte parce que c'est vrai que j'allais en arrêter Alors entre je ne temps. disais pas ça, mais Bon, la c'est quand même France est. beau à quel point on est synchronisé, hein. On arrête la guerre, on commence, bing, ding, ding. Et on commence une nouvelle guerre, C'est ça. hein, parce qu'on va pas s'arrêter trop longtemps. Voilà. Oh, ça se passe plutôt mal. Niveau finance, putain, ces guerres-là, ils m'ont fait du bien. J'ai commencé la guerre. Bah, tiens, d'ailleurs, faut que je te rende ton fric. J'en ai 900 balles, hein. Laisse Bah, tomber, hein. voilà, en fait, tu m'as prêté 50, je suis monté à 100, et là, je suis à 755. Donc, je vais me refaire ma flotte. Je vais lancer la construction de mes navires, sinon, je vais oublier encore. 635 jours. Et là-bas en 529 jours. Pff, autant que je les fasse dans le sud. Non, on va les faire là-haut plutôt. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va surtout construire des bâtiments. Une église à 3. Un truc de production là, là, là. Un marketplace à Nantes. Voilà, et là on est plutôt pas mal. Et voilà, sur ce, on va s'arrêter là les gens. On vous dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le Au monde! revoir les gens.